Coucou bande de fous, c'est Bicous pour une nouvelle vidéo sur... J'allais dire Burnout Paradise. Quel con, quel abruti sur Uncharted 3, l'illusion de Drake. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va, ça peut aller. Un peu chaud, encore. Donc, dans le dernier épisode, je vais vous résumer un peu, comme d'hab. Alors, ce qu'on avait fait dans le dernier épisode, on avait parcouru les épaves, le cimetière de Abato, et on est tombé sur la tour radio qui était complètement dévastée. Tout a été saccagé et plus moyen plus aucun contact avec le monde extérieur. Mais au loin se dissimule un énorme paquebot, et c'est dans ce paquebot que normalement se trouve Sully. Où Sully et Ramessès, le pirate qui nous a enlevé. Allez, c'est parti. Donc, normalement, on est en plein milieu des épaves et on doit encore parcourir un petit bout de chemin avant de retrouver le paquebot. Ah là là, ces temps de chargement toujours aussi longs. Ah, c'est un petit défaut du jeu, hein, c'est que à certains chapitres, le temps de chargement est très très long. Et normalement, c'est plus on avance dans le jeu, plus c'est long. C'est un peu normal vu que les décors sont de plus en plus plus gros, plus vastes. Et voilà quoi, c'est juste énorme comme jeu. Et puis voilà, je vous le conseille, hein, c'est une des exclusivités PS3. Hein, vous ne pouvez qu'avoir ça que sur PlayStation. Pas sur Xbox ou sur PC, hein. C'est une exclusivité. Voilà, j'ai réussi à le dire. Ouais. Ah le con. Bah allez. Ah voilà. Ah bien, il nous a fait spawn pile poil à l'endroit où on s'était resté. Et regardez ce que je vois là-bas. Regardez ce que je vois là-bas. Ce sont des munitions de taux sniper, et ben on va aller les chercher. Si je saute, est-ce que je me fends le coup? Même pas. Allez, YOLO. C'est bon ça. À moins que je sois full. Mais ça m'étonnerait. Alors là, c'est une petite astuce. Hein, si vous n'êtes pas très très full niveau armes, vous relancez votre partie et normalement toutes les armes qui ont spawn, bah respawn. C'est con pour mon soir par contre. Voilà. Ils me les prennent pas les munitions de... Ah oui d'accord. Je vais garder mon gemal hein. Hop là. D'accord, donc je suis full niveau taux sniper, je suis full. C'est juste mon gemal qui n'est pas full. Ok, donc on va remonter là-haut. On va remonter là-haut. Toujours au milieu de ces épaves complètement rouillées et glauques. Moi j'adore hein. J'adore. C'est un des passages du jeu que je préfère le plus. Rien d'autre, pas un trésor, que dalle, non, allez. Là, il y a une porte qui est fermée, ok. Allez, on y va, c'est la suite de l'aventure. On est parti. Bien. Ah merde, j'ai oublié ça. Oh, tant pis. Alors, oui, on s'était pile poil arrivé là, au-dessus de l'échelle, dis donc. Donc c'est parti pour la suite. Je saute. Hop là. Je croyais qu'il y avait quelque chose derrière. Il y a une petite cinématique, on ne sait pourquoi. Puis là, c'est complètement le chaos et la mort, quoi. Voilà. Juste. Il nous donne des armes, c'est chelou ça. Puis que des cales 9, cales 7. Là. Oh fuck. Y a personne. Oh merde. Oh. No scope. No scope. Ça fait mal. Ah merde. Avec nos scopes de merde là, j'ai perdu 4 munitions. Chier. Ça me dit quelque chose. On n'est pas déjà passé là. Allez, enfonce. Ouais. Putain, ça penche. Ah oh la vache. C'est bon. Maintenant on va quelque part. Oh putain. Oh la vache. J'accède à ce bateau. Ok, vas-y. 13. Mer démontée. Ah bah tu m'étonnes. Rien par là.
par là. Ah ouais, bah là c'est démonté de chez démonté. Hein. Ah la vache, le bordel que c'est. Ah, merde. Coucou! Fuck! Y'a comme du monde. Sors de là. Dans ta tête. Et putain, ça tire d'où quoi? Je vais me mettre vraiment à l'abri. Parce que là, c'est vraiment chaud. Patate. Là-bas, y'a quelqu'un. Ah, puis ça bouge de tous les sens. Pas moyen. Putain, pas moyen de bien. Bon, on va faire avec les moyens du bord, hein. Oh, super. Ah, si mon problème c'est s'il tire dans les bouteilles de gaz, moi je suis dans la merde. Là par là, y'a quoi? Y'a rien. Ah ouais, Par contre, si on tombe dans l'eau, on meurt, hein, je vous le dis tout de suite. Oh, mais merde! Excusez-moi. Hop. Oh là là, il laisse pas de munitions ces cons là. Hop là. Personne. Est-ce qu'il y a du monde qui nous redemande là? Ah, je suis trempé. Le assaut. C'est la merde. Un trésor. Ah, je fais bien de fouiller, hein. Elle est hein. Elle est bien. Elle est bonne. Merde. Fuc. Bon, ben, on progresse. Hein. J'ai plus que 5 balles à mon taux sniper, mais tout va bien, je le vis bien. Il y a presque plus de monde. Ah, ça tangue un peu moins de ce côté-là. Ah, ce jeu a de quoi vous donner du mal de mer. Hein. Encore un trésor. Ah non, mais il est là. Alors, contrairement à Uncharted 2, je sais pas si vous avez remarqué, les trésors... Ouais, mais je vois rien. Les trésors ne sont plus représentés par des petites pièces lumineuses, mais ce sont des trésors qui sont vraiment dessinés. Eh oui. Ouais, la richesse. La richesse. La richesse. D'accord, faut monter sur le bateau. Tu permets, je fouille. Attends, j'arrive, hein, je fouille. On a déjà été par là. Oui, indice. Oui, bah. Oh! Alors ça, j'avais même pas pensé, tu vois. Tiens bon, Sully. J'arrive. Allez hop, ben. J'appuie sur un rien, c'est même pas un QTE, tu sais. Hé, merde! Oh la vache! Oh le bordel, aïe 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 aïe. Putain. Hein, partez pas sans moi. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Je dois aller où? Je dois aller où? Oh la vache. Oh, les munitions qui ne servent à rien. Bonjour. Dans ton cul. Oh la merde! Hein? Personne? Bon, vu la musique, y'a plus personne. Ah, si, y'a encore quelqu'un. What? Où? À qui il fait des appels? Quoi? Ah, il fait des appels, ce con, je vais pas le tuer. Vite, 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 vite. Partez pas sans moi, les gars. Hey, c'est pas sympa.
Oh, oh, oh non. Oh non. Oh la vache. Aqualand. Oh putain. Oh la vache. Ah bah là il a plus d'armes. Ah là d'accord, là je suis d'accord, ouais. Ouais. Hey, vous pouvez pas me laisser les gars. Ah, je suis un esclave hein. C'est plus vous pouvez pas me laisser les gars. D'accord, c'est croix pour sauter. Parfois j'ai des petites amnésies de... Des petites amnésies... Oh, génial. Des petites amnésies de touche. Reste là. Allez. C'est un porte fermé. Réseau 4, moi. Non. Moi, je garde le gros gun. Non, non, oh, de si près comme ça, ça sert à rien. Eh, je les ai au cac, hein. Y'a rien à foutre. Y'a pas une des munitions de mag. Oh là là. Bonjour. Je suis une bite. Bonjour. Oh. Ça tire d'où? Ah, ça tire de l'autre côté, d'accord. LOL. Non, mais c'est pas possible. Oh la vache. C'est très efficace. C'est très très efficace. Mais putain. Oups là. Ça sert aussi à ça les pépons. Ça par contre ça pue. Ah la vache, la vache. Quoi? Il est en train de sauter sur l'autre bateau. Non, il a abandonné le navire. Abandonner le navire. Mon capitaine. je vais me faire plaisir aussi hein. Le mec il a même pas le temps de spawn, j'y tatane déjà la gueule. Hop là. Et vous savez quoi, on va se battre au RPG. Rien à foutre. Oh merde. Pourquoi t'as eu de la chance? Et moi je suis badass. Badass. Plus à cette distance, se battre au RPG. J'en sais rien. Il y a son masque qui vole, t'es lol. Bidi bidi bidi. Oh la vache. Putain, mais le mec il brûle quoi, c'est le Ghost Rider. Oula, petit bug de musique. On peut jouer à deux. Oh la vache. Ah bah voilà à quoi ils servent les RPG. Ah puis ça respawn pas. Merde. Eh, j'ai plus de munitions moi. Ah là. Enfoiré. Oh la vache. Oh cette epicness. Cette epicness. Vite, 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 vite. Yeah. 14, ok. Cherchez les ennuis. Oh oui, on va aller chercher les ennuis, t'inquiète pas. Ah, c'est pour ça que j'adore ce jeu. Il y a tellement d'épicness et tellement d'histoires. C'est juste génial. Allez, on y est. Ah, j'ai quand même un flingue. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Bon, là, c'est... C'est la croisière s'amuse quoi. Et la croisière s'amuse vraiment. Sympa. Des barbelés sympa. Tu
te serais pris ça dans la gueule, ça aurait fait super mal. Ah, puis on a les petits effets de dos qui poussent. Super beau. Y a-t-il quelqu'un? Est-ce que c'est un navire fantôme? Hello. Ça fait peur, votre truc. Ah, mais s'il y a un zombie qui débarque, je hurle. Ah, d'accord. Le truc que tu n'étais pas censé trouver, tu sais. Ça me tente de sauter sur le bateau. Ah, mais non, t'es con. Ah, hein. Merci, scénario. C'est un poil dangereux. Après, je dis ça, je dis rien. C'est bon. Par là, il y a quelque chose, un petit trésor, quelque chose. Allez. Non, il n'y a rien. De l'autre côté. Là, il y a une échelle, ok, mais je veux quand même nicher un peu. Pardon. Ok, que dalle. Allez. Droite, gauche. À gauche, il y a des cartons. À droite, il y a des cartons. Je prends la droite. Parce que je suis droitier. Oh, mais quelle bite. De toute façon, à mon avis, ça doit ramener au même endroit. Donc, T'as vu des ondes, quelque chose? Y'a rien, gueule pas. Hop là. Pistole. Non, je vais garder mon... petit truc. Et de ce côté-là, il y avait quelque chose, non? Que dalle. Ok. Alors, c'est un paquebot avec des conteneurs dedans. Original. Ah, à moins que ça soit un vrai porte-conteneur. C'est parti. Que la fête commence. Welcome on board, bitch. Non, pas ça. Oh, oh bah je suis full des deux côtés, ça fait plaisir. Une arène, j'aime. Ah non, au départ, ah oui. C'est vraiment un pas gros voyage. Oh mais merde! Je savais pas que tu m'avais vu. Laisse une moi une chance au plus faible. La bombe humaine. La bombe à barre. Le pas doué. Oh il a un... Ah non. Ah ça tangue. Putain. Ça va tomber, c'est sûr et certain. Oh la vache. Oh putain. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ah, ça en fait, c'est un boss qu'il y a en mode en ligne, mais je m'attendais pas à en avoir un là tout de suite. Alors, le moyen pour le vaincre, c'est de tirer à toute blinde. Régène. Ah, j'ai une grenade, moi. Putain, mais ça n'y fait rien, au mec. Oh, la vache. Le fait que ça tangue comme ça, c'est juste horrible.
Il va bien finir par mourir. À moins que j'y déclenche la tête. Putain, mais il veut rien savoir. Hein. Et bah voilà. Il veut vraiment rien savoir. Hein. La vache. On va sortir par où? Par là. Régène, régène. Oh, mais c'est une balle. Une balle. Bon, on va jouer à la sécurité. On va d'abord tuer ces mormons. Laisse recharger. Hop. Alors, on est à l'abri là, que ça tangue ou pas. Mais le mec il court vers moi quoi. Il a 10 cm de protection sur lui. Mais c'est quoi ça? Sérieux. Oui lâche. Ah là par contre je suis bloqué là. Je suis locked. Sérieux. Mais ils ont des lance patates et puis tout. Non mais sérieux. Sérieusement. Ah, oh, mais le mec est sérieux. Il a 10 cm de plomb sur lui, quoi. Il court encore vers moi. T'as vu ou bien? Voilà, il va rester où il est. Putain. Je suis concentré là. Oh merde. Alors, non mais sérieux. Sérieux quoi. Ah ouais, je vais rager, on va être content. Sérieux. Je ne finirai pas cet épisode tant que je n'aurai pas fini passé cette étape. Voilà. Il est où? Là. Est-ce qu'on joue la discrétion ou bien? Non mais. Sérieux. Ou bien. En plus, il a juste l'arme la plus puissante du jeu, mais bon, c'est pas grave. Il est où? Ah putain! Là, par contre. Maman! Oh la vache! Eh non mais vas-y ta mère là! Tap! En fait faut qu'il reste là-bas. Putain mais la grenade ça fait que dalle quoi. La grenade ne lui fait rien. Ah! Oh mais sérieux! Tap.
Quitte à ça dure une demi-heure, j'ai trouvé le bon spot, c'est bon, j'ai trouvé le bon spot. C'est juste que faut que je surveille le mec avec son lance-patate là-haut. C'est tout. Faut que j'y vise le plastron. Ah. Oh toi! Oh toi! T'es qui quand tu... J'ai trouvé le bon spot, vous inquiétez pas, j'ai trouvé le bon spot. C'est juste que le putain de lance-patate là-haut, il me... Vous inquiétez pas, j'ai trouvé le bon spot. J'ai juste à attendre qu'il arrive. Mais c'est, y a des vagues aussi. Le mec. Allez, Hercule. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Plumier. Flip. Je l'ai eu. Flip. Fais pas le con, Philippe. Je l'ai eu. Salon. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'enculé avec le lance-patate là-haut. Bon, 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 bon. Garde-le, il arrive. Garde-le, garde-le, je l'attends. Je l'attends, j'ai encore 47 balles pour lui. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Fais pas le con, Philippe. Philippe! C'est pas le con, Philippe! 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 C'est pas le con, fumier! C'est pas le con, Philippe! Philippe! Ouais, ils sont un peu trop nombreux là, je suis pas d'accord. C'est pas le con, Philippe! Sors de là, enculé. Non, je sais plus. Merde. Putain. Attends, vous savez quoi? On va tester l'arme de l'autre là. Mais il est pas encore sorti l'autre avec son... C'est con comment les jeux vidéo peuvent rendre stupide. Bah, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait. C'est pas le con, Philippe. Sors d'ici, enculé. Ta gueule. Bon, alors en fait, le seul inconvénient avec cette arme, c'est que vous ne pouvez pas... Déjà la recharge est très lente. Vous ne pouvez pas avoir d'armes secondaires. Donc vous pouvez. Si vous voulez prendre votre pistolet, vous êtes obligé de lâcher l'arme. Et bon, c'est un pack 80, c'est ce qui remplace le minigun dans le jeu. Et c'est sur cette putain d'image badass, hein, complètement Philippe, que on va se quitter. Et l'indice, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de passer par la porte là-bas. Mais on en a strictement rien à foutre. Parce que. C'est Rambo le mec, c'est Rambo. Oh, oh putain, une demi-heure pour cette merde quoi. Allez, n'hésitez pas à partager cette vidéo complètement rageante et complètement épique sur Facebook et Twitter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos complètement épiques. Là j'ai à peine le temps, de tirer une balle que Poséidon fait sa crise. Poséidon ta gueule. Allez. Ciao tout le monde.